retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Lucien Pambou, Alfred Chango ainsi que Camille Sari. Place à présent au dossier du jour. L'industrie de la mode est en pleine expansion, de la couture à l'esthétique, du stylisme à l'organisation événementielle. Cet univers séduit de nombreuses personnes et pourtant les professionnels du secteur s'accordent pour dire que la formation reste le véritable sésame pour l'accès à cette industrie. Au Cameroun, par exemple, ils sont environ 200 jeunes issus des divers centres de formation du pays à rejoindre le marché de l'emploi chaque année. Un reportage de Narcisse Doumbé, notre correspondant au Cameroun. Formé au métier de la mode, formé pour asseoir les fondamentaux véritables d'une industrie en plein essor, voilà l'objectif que se fixent les professionnels du secteur de la mode en Afrique. La formation étant un pilier du développement de cette industrie, des centres de formation, des instituts et même des forums réguliers se mettent en place pour passer de l'éphémère et s'inscrire dans la durabilité. Au Cameroun, pays d'origine de certains créateurs de mode de référence comme Imane Ayissi, le leitmotiv est le même. Former pour s'inscrire dans la dynamique du développement durable. C'est le cas de l'Institut des Beaux-Arts de Fumban dans l'ouest du pays et quelques autres lycées d'enseignement technique qui initient la jeunesse au métier de la mode. De nombreux centres de formation privés, dont le nombre exact est difficile à définir, encadrent des centaines de jeunes passionnés de mode. De la conception du vêtement à sa distribution, plus d'une dizaine de métiers sont répertoriés par les spécialistes. Mais stylisme-modélisme, décoration et mannequinat se taillent la part du lion dans les offres de formation de cette structure. Les jeunes ont compris que c'est un métier où il faut vraiment réfléchir. Et avec cette évolution, je vous assure, au Cameroun, ça prend vraiment de l'ampleur. Et je sais qu'au fil du temps, ce métier, ça va prendre le monde. Puisque déjà, on a beaucoup de centres de formation qu'on n'avait pas avant. Et beaucoup de gens, beaucoup de jeunes aussi s'intéressent. Les jeunes, pas seulement au niveau zéro, les jeunes qui ont le bac, les jeunes qui ont même la licence, le BTS, tout ça s'intéresse. Puisque ici, j'ai eu des jeunes filles avec la licence. Donc, je peux dire que c'est un métier qui est en train de prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, créateurs de mode, apprenants et formateurs semblent s'accorder sur un point. Bien que des autodidactes tels qu'Alfadi aient réussi et fassent la fierté du continent africain, la formation reste le moyen le plus efficace pour faire carrière dans les métiers de la mode. Le talent est là, c'est juste il faut revoir certaines choses au niveau de la qualité des choses. C'est pour ça que je parle toujours de la formation. S'il n'y a pas de formation derrière, s'il n'y a pas eu les bonnes bases, est-ce qu'on peut construire une maison sans fondation? Je ne pense pas, la maison ne peut pas tenir. Elle nous fait connaître plein de choses qu'on ne connaissait pas, parce que quand on est au quartier, quand on est à la maison, on a l'impression de tout savoir. On croit que parce qu'on sait que le bleu va bien avec une autre couleur, alors du coup, avec du blanc par exemple, on se dit oh, d'accord, on sait, on connaît fort en décoration, mais non, en fait, ce n'est pas ça, quoi. La règle est partout la même. Le secteur est un foisonnement de métiers où la réussite est le fruit d'une réelle implication. L'abnégation et le travail dans le sérieux payent. Il faut absolument se former pour bien faire et pour réussir dans ce domaine. Parce que dans ce domaine, quand on triche, on ne réussit pas, on n'excelle pas. Voilà, on se nourrit juste. On peut dire que le métier nourrit son homme, ça s'arrête là. C'est la même chose qu'aller à l'école. On ne peut pas avoir le baccalauréat sans avoir passé des études. Pourquoi être mannequin, passer sur des podiums en sortant tout simplement de sa maison? Quant au contenu des enseignements, il est défini par chaque établissement. Pour tirer leur épingle du jeu, certains centres de formation ne lésinent pas sur les moyens pour offrir une formation de qualité à leurs pensionnaires. Au Cameroun, c'est assez difficile de travailler avec les autres centres qui font justement dans le métier de la mode. Mais moi, par exemple, chaque fois que je suis en Europe, je vais dans mon établissement, qui est la Chambre syndicale de la couture parisienne, où je prends tous les éléments. C'est-à-dire que si c'est les études des étoffes, s'il y a des changements, tout ce qu'il y a comme amélioration, même en techno, tout ce qu'il y a comme changement, je vois dans mon établissement. Et après, je viens adapter à mon environnement, donc au Cameroun. L'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés issus de ces divers centres de formation est une préoccupation non négligeable.
En l'absence d'une synergie entre ces différentes structures, les apprenants semblent connaître des fortunes diverses à la fin de leur cursus. Après la formation, il n'y a pas de suivi, c'est chacun pour soi. Donc quand tu as ton examen, tu te cherches. Comme on dit au quartier, tu te cherches. Il n'y a pas de suivi. Non seulement on les forme, mais les trois, les quatre premières de chaque année, donc spécialement chez moi, nous faisons un suivi pendant un an pour voir comment ça se passe, comment ils se débrouillent, les aider dans leur intégration dans la vie active. Au Cameroun, le statut d'établissement scolaire n'est pas encore accordé au centre de formation professionnelle, ce qui engendre de nombreux problèmes et ouvre la voie à certaines dérives observées dans le domaine spécifique de la mode. En plus du fait qu'on n'est même pas subventionné, tous les deux ans, il faut payer l'agrément. Tous les deux ans, il faut payer un agrément pour être à jour. Moi, je pense qu'on devrait payer au début, on nous donne un taux forfaitaire qu'on paye une fois pour toutes. On ne recommence que si vous avez fermé, par exemple, votre établissement, votre centre de formation et vous voulez réouvrir. Je pense quand même que les gens ne prennent pas assez de temps pour bien se former. Ils ne prennent pas assez de temps pour bien se former. Et je pense, comme je disais au départ, peut-être c'est dû au chômage. Et peut-être... oui, c'est dû au chômage, je pense. Parce que les centres spécialisés où on donne de la bonne formation, ça coûte un peu cher. Et maintenant, le Camerounais moyen a tendance à aller là où il peut payer moins cher. Et on lui donne aussi le moins cher également. Et ça ne donne rien sur le terrain. On a par exemple des proxénètes, des gens qui organisent des castings de chambres. Une fois qu'ils ont sélectionné des mannequins, c'est pour faire ce qu'ils ont envie de faire à ces filles. Et après, il n'y a pas événement. Il y a des escrocs qui font des castings payants, 2000, 3000, 5000. Et une fois qu'ils ont recruté ce qu'ils attendaient, l'événement est reporté à une date ultérieure. Événement, il n'y en a plus. Pour avoir un rayonnement sur la scène internationale, les attentes des divers acteurs du secteur de la formation sont nombreuses. Soutien politique et aide à la structuration d'un secteur à fort potentiel. Donc on mérite véritablement le soutien. Peut-être d'autres centres sont dans la même situation, j'en sais rien. Donc moi je lance vraiment ce cri pour dire, encourager l'effort qui est fait pour que plusieurs personnes puissent en bénéficier. Parce que si on était subventionné, on prendrait un espace plus grand et on donnerait la possibilité à plusieurs jeunes de se former. Mon souhait, c'est que les aînés nous donnent cette chance-là, qu'ils nous aident parce que nous sommes nouveaux dans le métier et on aimerait vraiment un plus deux. Un peu de leur connaissance pour que nous aussi nous soyons élevés. Environ 200 jeunes Camerounais issus des centres de formation au métier de la mode viennent gonfler les rangs des professionnels du secteur tous les ans. Leur rêve, parcourir le monde et conquérir les podiums les plus prestigieux. Il leur faut en outre appréhender ces nouveaux marchés de manière durable en intégrant une démarche complète qui mêle au-delà de la création et du savoir-faire tous les aspects relatifs à la gestion d'une entreprise. Alfred, quel est votre état des lieux de ce secteur? Est-ce qu'il est semblable au reportage qu'on vient de voir? Mais le reportage, Sandra, reflète hein, la situation, alors pour le coup au Cameroun, mais on peut l'étendre hein, un peu à tous les pays africains. Si on se réfère simplement au moment où Alpha Di émerge, alors contrairement à ce qu'a dit le reportage, non, lui il a fait une formation de tourisme et de marketing et puis après comme il était friand du vêtement, hein, de la vêture, du kitendi, donc il a commencé, il a lancé sa propre marque et puis la foire internationale donc du vêtement en Afrique, de métier du vêtement et de la mode en Afrique. Bien. À aujourd'hui, effectivement, la tendance est un peu partout à voir émerger justement des couturiers, enfin des jeunes formés. Mais le secteur n'est pas bien structuré en tant que tel, parce que les États n'ont pas encore compris que l'industrie de la mode est aussi un autre aspect, un autre lieu de ressources possibles. Et que donc on a continué à faire dans l'artisanat, c'est-à-dire le tailleur du coin qui n'a jamais été formé sur le tas, qui a appris chez grand-père et puis qui lui a légué une vieille machine Singer et puis après, ben voilà, continue à faire ça. Mais moi, je me souviens qu'à l'époque, par exemple, au Zaïre, à l'époque,
Il y a aujourd'hui, ça continue encore, l'Institut supérieur des arts et métiers où en particulier on formait, parce qu'on a pris conscience justement de cette, de l'importance du vêtement, cet institut supérieur qui formait les élèves qui sortaient du lycée justement technique de coupe et couture, hein, ça s'appelait comme ça. Bien, mais évidemment la crise est passée par là et que donc, et aussi ça devient plus facile pour beaucoup de passer rapidement formation sur le tas. Et à partir de là, ouvrir une petite boutique de couture hein, dans le, au coin de la rue. Mais bon, ce que je porte là, ça vient de Kinshasa. Hein, voilà, c'est des jeunes stylistes, hein, modélistes de Kinshasa qui ont conçu ce vêtement. Mais naturellement, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à faire pour que, un, non seulement ils deviennent compétitifs, mais aussi qu'il y ait de la qualité dans la production. Et nous allons revenir sur ces points. Lucien, est-ce que pour vous, certaines personnes pensent pouvoir faire l'impasse sur la formation? Alfred a soulevé un point important, des personnes dont ce métier se s'apprend, en tout cas, de génération en génération. Sandra, si on veut que la mode, et je pense que les créateurs africains veulent que ce soit ainsi. Si on souhaite, on veut que la mode soit une industrie, on ne peut pas, effectivement, échapper à la formation. La formation est absolument indispensable. En revanche, quand on regarde les conditions, les fondements de cette formation, on peut se poser une série de problèmes, de questions, pardon. Ce que dit Mme Mireille Némalé, ou ce que dit aussi Mme Doris Djamen, je dis, fait la synthèse des problèmes que rencontrent les créateurs en Afrique. Problème, le créateur, effectivement, d'abord des financements, il faut mobiliser les financements, il faut mobiliser, effectivement, les formateurs aussi, c'est absolument important. Apparemment, quand on écoute Madame Mireille Némalé, il y a, en fait, une diversification de, effectivement, de la mode, par exemple, dans un pays comme le Cameroun, mais, en effet, les agences, les écoles ne se parlent pas entre elles. Donc, c'est-à-dire que chacune, en effet, est consciente de sa propre vérité. Or, un seul doigt ne peut pas laver la figure. Ça, c'est une première remarque. Il faut les cinq. Hein. Il faut les cinq. C'est une première remarque. L'autre remarque, c'est les financements. Les financements qui sont liés au fait qu'il n'y a pas de mécènes en Afrique qui considèrent, en effet, la mode, et qui considèrent la mode comme une industrie. Les hommes politiques, pour les hommes politiques, effectivement, c'est un moment de loisir, c'est-à-dire participer à des festivités où la mode est présente. C'est une façon aussi de dire que j'existe, que je suis là. Et puis, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de confondre. Quand vous regardez la haute couture ici, la haute couture, bien entendu, ici, n'est que, je dirais, une sorte de présentation de toute l'industrie qu'il y a derrière, à savoir les parfums, à savoir les chaussures, à savoir les marques, les sacs, etc. Oui, oui. Un exemple, Sandra. Je prends l'exemple. Si vous êtes sur un plateau effectivement de haute couture, que vous arriviez effectivement avec une robe bien taillée, avec un sein débordant, joli par ailleurs, et que l'autre sein est protégé, vous êtes sûr, Sandra, que vous allez sortir avec ceci dans la rue? Non, c'est pour, bien entendu, et que votre honneur fait que vous sortiez complètement vêtu. Mais quand je prends cet exemple, c'est sur le moment, c'est cet aspect de la haute couture, mais derrière, il y a des sacs, derrière, il y a du parfum, derrière, il y a effectivement des chaussures. Il y a des chaussures, voilà, c'est ce qui manque à l'Afrique. Alors, nous sommes encore à l'état embryonnaire, il y a des couturiers comme, effectivement, Afadji, qui font ce qu'ils peuvent, ils font beaucoup, mais il faut que les Africains, dans ce domaine, comme dans d'autres d'ailleurs, pas que dans la mode, apprennent à travailler ensemble. Camille, comment soutenir ces écoles et les élèves? Est-ce qu'il faut imaginer, par exemple, un système de bourse ou de récompenser les meilleurs élèves de ces établissements? Moi, je pense que pour encourager les formations, pour que il y ait des gens qui s'intéressent à cette formation. Au Mali, par qui exemple. Qui est, oui, mais justement, je vais en parler. Un pays que Camille connaît très bien. Absolument. Je suis à moitié malien, donc j'en suis fier d'ailleurs. Et il faut qu'il y ait des débouchés. On ne peut pas demander aux jeunes de se former, d'aller. Et on ne peut pas demander aux parents de payer. Ça coûte cher. Il y a des parents qui se cèdent. Je prends l'exemple de notre école, la Technolabista à Bamako. Il y a des parents qui se cèdent, mais c'est un gros sacrifice, mais ils pensent que leur enfant, ou leur fille ou leur garçon, va avoir un diplôme, il va travailler, il va
en quelque sorte rembourser la famille, d'une manière ou d'une autre, au moins marcher sur ses pieds. Et tant qu'il n'y a pas des débouchés, ça ne marchera pas. Par contre, c'est vrai que l'État, puis tous les organismes, Mme Mireille Neymal, elle a vraiment résumé, elle a parlé de cette histoire d'agrément, il faut pas faire... Au contraire, il faut même subventionner, il faut aider. Et je rajoute, il faudrait vraiment que les entreprises, que les écoles, au lieu, par exemple, nous on le fait à Technolabista, à la remise de diplôme, on met une tenue à la London School. Je pense qu'on pourrait mettre, nous sommes des Africains, pourquoi on ne mettrait pas une tenue, cette tenue que je porte, c'est un styliste qui l'a fait sur mesure, mais... À Bamako, par contre... Heureusement, sur mesure. Par contre, il a été formé, il a fait comme Mme Mireille Neymal, et je la salue. C'est la bonne démarche. Il a été formé en Italie, en France, et puis il s'est épanoui. Je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie d'aller regarder ce qui se passe ailleurs. Et dernier point, ne calquons pas notre système de mode sur le système français ou international. Nous n'avons pas la capacité d'avoir des parfums de renom, et nous n'en avons pas besoin pour le moment. Restons dans le domaine du tissu, de la mode. Je diverge un peu de Camille, puisque ça va ensemble. On n'est pas capable. Les gens. Il y a le Moussoula, je termine. J'ai découvert des marques de parfums français que je vois tous les jours, mais moi j'achète ailleurs, j'achète ce qui est ordinaire. J'ai découvert ça dans beaucoup de pays, dans les pays du Maghreb par exemple. La première fois que j'allais dans ces pays-là, on me dit « Est-ce que tu mets telle marque? Quel est ton parfum ?» C'est-à-dire qu'on est obnubilé par les parfums internationaux. Il y a des grandes marques. On va pas les citer parce que c'est pas là, il faut respecter la déontologie. Mais quand, même les Chinois, ils n'ont pas inventé de parfum. Ils copient les autres parfums, ils mettent les autres marques. Oui, non, mais on reste d'autres tissus. Oh, oui. C'est peut-être notre registre où on peut être fort. Non, mais la vêture, le froufrou, le vêtement, ça, c'est effectivement bon. Mais ça va avec tout ça. La beauté a un prix, je crois l'avoir dit ici il n'y a pas très longtemps, et donc ça va ensemble. Je me souviens qu'il y a quelques années, l'ancienne première dame du Mali avait publié un ouvrage sur justement ces senteurs, ces parfums du Mali, les Oussoula et comment. Donc tout ça, effectivement, ça va de pair avec la mode. Il suffit simplement, comme le disait Lucien tout à l'heure, qu'il y ait des mécènes qui prennent en charge, parce qu'ici, en France, pour ne pas les citer, ce ne sont pas les couturiers eux-mêmes qui mettent de l'argent. C'est des grands patrons qui ont compris l'enjeu. Et donc, ils travaillent justement en synergie. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas le faire justement en Afrique, sans copier justement ces parfums d'ici, mais nos parfums à nous, pour notre industrie de la mode aussi. – Comment y arriver, Alfred, si on n'arrive déjà pas à exposer ces créations en dehors du continent ?– Si, ça se fait, mais effectivement, parce que, comment le dire, parce qu'effectivement, là encore, c'est une question d'organisation. Mais Alfadi, avec la Fédération du métier du vêtement en Afrique, et puis la foire internationale qui l'organise, je ne sais plus, c'était annuel ou tous les deux ans, et puis il y a des participations quand même, hein, dans des foires qui sont organisées à travers l'Afrique, parfois aux États-Unis, où les stylistes, modélistes africains sont invités et y participent. C'est vrai que Nigérians et autres, c'est vrai que nous n'avons pas la puissance de frappe, la force de frappe justement de l'industrie occidentale, en tout cas française ou italienne, etc. Là, il y a des grandes marques. Mais comme dit Mme Neymal, il faut justement l'appui, si pas des mécènes, mais des pouvoirs publics pour justement promouvoir cette industrie-là. Pour exposer en France, sachez vraiment qu'il y a de l'écoute et il y a un accueil. Et je prends un exemple concret. Il y a un salon du tourisme et de l'artisanat malien qui est... Et ça se fait dans une grande salle à la mairie de Montreuil, mais aussi à la chambre de commerce de Paris, rue de Viarme. C'est l'ancienne bourse. Et avec des moyens, je dirais, des aides ou des soutiens, je peux vous dire que c'est le département Afrique de la chambre de commerce, donc de Paris, de toute la France, qui accueille
des artisans qui viennent vendre leurs produits dans les... J'ajouterais la foire de Paris. Donc il faudrait... Hein, même à la foire de Paris, je pense... qu'il faut aussi qu'on ait, on est quand même, quoi qu'on en pense, on est en France, on est dans une société de plus en plus métissée, de plus en plus où on est à l'écoute. Et je pense qu'il y aurait matière à ce qu'il y ait des foires, à ce qu'il y ait des expositions avec des stylistes, avec de la mode. Mais il ne faut pas que ce soit cantonné à un seul pays, parce que ça coûte cher à plusieurs pays. Il y a un autre problème, c'est que aussi, ce que mes amis ne disent pas, c'est que cette façon de faire aussi est considérée du point de vue français comme ressortant un peu de l'exotisme. Il faut dépasser l'exotisme. Non, par solidarité, nous le faisons. À Montreuil, nous le faisons par solidarité dans le cadre du jumelage. C'est autre chose. C'est autre chose. Il faut dépasser, je crois, le cadre exotique, effectivement. Donc, comme à la foire de Paris, par exemple. Donc, Camille Sarrière, bien évidemment, friand. Le petit Mali, bien sûr. D'accord, mais toute l'Afrique ne se résume pas au petit Mali. Il faut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que réfléchir sur l'organisation logistique avec... Bien entendu, des relations avec les maisons de couture. Souvent, Alfadi le dit lui-même, quand vous avez des stylistes, des modélistes africains qui arrivent pour apprendre, effectivement, ils ne sont pas confrontés aux grands créateurs, aux grands stylistes, ils sont confrontés aux petites mains, etc. Et donc, le problème, c'est, comme dans tout métier, et c'est valable pour la mode, c'est valable pour tout, ça passe par une appropriation, ça passe par une réflexion, une organisation logistique. Tant qu'on ne fera pas ça, eh ben, nous serons toujours, en fait, tributaires des autres, et on passera toujours du temps à dire « mais qu'est-ce qui nous arrive ?» Et on avancera toujours. Il n'y a qu'à, nous allons faire sans passer dans la pratique. Il faut merci messieurs. Voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. Piraterie dans le golfe de Guinée, enlèvement des jeunes femmes au Nigeria, conflits ethniques en Centrafrique, les défis sécuritaires sont nombreux sur le continent. Les chefs d'État en ont conscience, raison pour laquelle cette problématique était au centre des discussions du 23e sommet de l'UA. Et puis si la mécanisation de l'agriculture est une priorité, la lutte contre l'insécurité en est également. Vous l'aurez compris, le cas du Mali était au centre des débats également ce vendredi. Objectif, trouver une issue pacifique à la crise au nord du pays. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. A tout de suite.